Ça fait combien de temps vous avez fait cette pièce? Ça dépend des gens. Moi, personnellement, ça fait 4 ans. 4 ans déjà? Ouais, 4 ans. Ouais, j'ai commencé quand j'avais 20 ans. 4 ans? Jugulus, toi, ça fait combien de temps, Jugulus? Ça fait 5 ans et demi. Elle, toi, ça fait combien de temps? Quelques mois. Voilà, donc ça dépend des gens. On est les... sujet brûlant. Justement, on est les Irrational Masters. Alors, on dit ou pas? Ouais. D'accord, on est les Irrational Masters, mais on va sans doute bientôt changer de nom. On s'appellera les... Alors, vous avez ça en exclusivité. Hein. On s'appellera les No Good Kids. No Good Kids. Les enfants terribles. Quoi. Voilà. On fait ça toutes les semaines, chaque semaine. Tous les vendredis, on est là. C'est pas nous du tout qui avons inventé ça. Hein. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est ça. Enfin, 30 ans que le film est projeté ici. 40 ans? Non, que le film est projeté ici, ça fait 30 ans. Le film. Le Requiem Feature Show, qu'est-ce que c'est? C'est un film! Eh oui, c'est même un film interactif. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'écran se passe dans la salle. Les Irrational Masters, on a 10 ans. Et puis il faut virer les vieux, hein. Non, d'ailleurs, Jugulus, il va pas faire. Bientôt partir, quand il commence à avoir des rides aux fesses, on les. On vérifie tout le temps. Bah d'ailleurs, Sarah, ça fait longtemps. Vous aviez arrivé 10 minutes plus tôt, c'était bon, mais. Inspection. Inspection générale, ouais, on est tous cul nus et il y a le chef qui passe. Il tâte. Ça encore fait. Et juste comme ça, c'est pourquoi exactement? Non, j'ai un livre chinois qui est à propos de les petites salles d'artistes et de l'animalerie. Oui. Voilà, donc il y a une partie. Sur le routier, d'accord. On est complet quasiment toutes les semaines, alors que c'est du bouche à oreille seulement, il n'y a pas de publicité, donc ça marche très bien en France, et en général, c'est tout le temps des... On demande qui est déjà venu le voir en salle. Qui vient ce soir au Rocky pour la première fois? Debout, carrément les puceaux, hein. En fait, à la fin du spectacle, on explique aux gens qu'on a besoin de personnes pour remplacer. Pour tous les rôles. Pour tout changer. Non, mais à l'occasion, si ça vous intéresse de monter sur scène. Si vous voulez vous faire démonter sur scène. Si vous voulez démonter des animateurs. Et le tout sans payer. On doit prendre notre temps parce que sinon ils n'ont pas le temps de prendre des photos. Donc c'est ça, c'est l'installation du routine. Vous allez voir, on a même des bâches sur l'écran. Alain n'a pas fini le film Une scène d'anthologie. L'installation du Rocky par Ferdi tout seul. C'est pas moi qui ai accroché la bâche. On s'explique que lundi je vais rester à la maison. Juste un truc, s'il vous plaît. Ce soir, on a Fabien, donc comme vous pouvez le constater, qui entame sa vie de garçon. Oh. Caca, on attend. C'est bien. En plus, on peut faire des blagues sur lui parce que ce soir, il y a son papa qui est dans la salle. Il est où, papa? Bonjour, papa. Voilà, c'est Einstein dans la salle. Bon, sinon, bonsoir, du coup. S'il vous plaît, la salle est presque pleine et il y a quand même des gens qui attendent en délire dehors. Donc, faites-nous un truc plutôt dans le genre. De manière générale, quand on vous dit de faire quelque chose, vous le faites tout de suite, sinon c'est bon. Levez la main droite, levez la main gauche. J'avais pas dit baisser la droite. Et la danse principale du film, c'est le taïmois. Est-ce que vous voulez qu'on vous le montre? Oui. Tout le monde debout, on sent pas les sans l'avoir l'air con. Le taïmois, ça commence par un saut sur la gauche. Nous, la gauche, c'est là. Et oui, pour vous, c'est là. Parce que là, il y a le mur. Et le mur, ça fait mal. Et on l'a fait. Un jump to the left. Ensuite, des petits pas gracieux. Sur les genoux. On met le cul en arrière. Un grand sourire sur la tronche. L'important, c'est d'avoir l'air con. Oui, c'est drôle. Ensuite, on se tape sur les voisins. Et surtout sur les Vous allez tous amener avec vous un petit sachet de riz et une petite bouteille d'eau. Mais pourquoi le faire? Eh bien c'est très simple, c'est parce que dans ce film, il y a deux mariages et un enterrement et un orage.
Donc c'est simple. Pendant l'orage, on jette deux. Le texte après, c'est ri. Pendant les mariages, on jette du. Alors une petite précision au sujet de l'eau et du riz, vous allez voir, c'est fondable. Pour le premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rang, votre eau et votre riz, vous jetez tout très loin, très fort en arrière. Ils ont compris. Et voilà, au sixième rang, ils se prennent tout sur la gueule, c'est fondable. Et derrière, tu en fais de vous balancer tout ici, ça fera un micro qui marche. Et beau héros qui a une bonne tête de trou du cul. On l'a bien choisi, hein. Bravo monsieur, vous avez très bien réussi. J'ai gagné des concours. Oui, voilà. Et ce trou du cul pendant tout le film n'arrête pas de se présenter tout le temps et c'est chiant. Voilà, y a le héros mais aussi l'héroïne, elle est là. Elle s'appelle Janet. Elle est belle, elle est blonde, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une... Attends, je t'arrête tout de suite. Ah ouais, le mot que tu cherches, c'est salope. Voilà. C'est une bonne grosse salope de chez grand-mère. Par contre, on n'a pas la même grand-mère. En revanche, vous pouvez nous croire, nous, on l'a tous testé. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui veulent tester, monsieur, peut-être, Fabien, ça peut se faire. Ah oui, Fabien. On est désolé, en revanche, on a une petite liste d'attente. On ne peut pas en faire plus de 15 par jour. Je commence du début. Hi, my name is Brad Majors. Ah this is my fiancé, Janet Weiss. C'est ce qu'on appelle le film. Le film, 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 le film. Ça va être tout noir. Ta gueule. Luc, je suis ton père. Alors là, tout le monde est branlé. Le test, ça va être ouh. Vous êtes prêts? Attention, maintenant. Allez, on y va.
Tout ça, c'est là-dedans. Les numéros de téléphone. Si vous voulez payer par carte bleue, la fente est plus bas. Seulement, si vous payez par carte bleue, faites très gaffe parce que vos 3 euros pin, elle avale. Et si vous voulez payer en nature, c'est Franck qui vous rend en liquide. Seulement, rappelez-vous ce proverbe chinois du 17e siècle qui dit « Les radins ont des petites bites ». Merci. On a deux chinoises dans la salle qui rigolent pour vous. Coucou. Voilà. Parce qu'il y a quelques personnes qui viennent parfois nous filmer et quand on demande à avoir la cassette pour nous, ils disent oui et puis on n'a jamais de nouvelles, donc promis. D'accord, merci. Allez, vas-y Roti, montre-nous tes muscles. Fais une boule. Non, une boule.